Et salut à tous mes petits geeks et bienvenue pour un nouvel épisode des balades de Geek Me Hall. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Pierre, rue Mézard-Guignard, juste à côté de la Marie, dans la librairie Les Pirates du Silence. Ici pour tous les amoureux de comics, de mangas, de BD belges et bien sûr autres figurines et goodies, tout sera ici pour ravir les petits et les grands. Nous allons voir tout de suite cette magnifique boutique. C'est parti! Et donc voilà, nous sommes à l'intérieur de la boutique, on va vous parler manga, les coups de cœur Geek Me Hall. C'est vrai que je suis rarement à vous parler manga, on est plus en train de parler du comics généralement, du DC ou du Marvel, mais là, dans la boutique, on va parler manga, les gros coups de cœur. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de notre partenaire, le grand mangaka Stark, avec son Redskin, le tome 1 et bien sûr le tome 2 qui est sorti très récemment. Alors si vraiment vous n'avez pas encore lu les aventures d'Agato, je vous conseille vivement de venir à la boutique, prendre ces deux tomes. C'est exceptionnel, voilà, c'est vraiment un manga déjà pays. C'est frais, c'est pétillant, il y a plein de bonnes références. Voilà, des références sur plein de mangas connus et des références justement un peu à l'univers créole. Je vous en dis pas plus, achetez ce manga, venez récupérer, c'est exceptionnel. Et autre petite chose, voilà, mon gros coup de cœur du moment, parce que je l'ai lu il y a tout juste quelques semaines, j'en ai parlé sur Facebook, j'en ai parlé sur Instagram, c'est ce petite histoire Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha. Tout le monde connaît Yamcha dans l'univers Dragon Ball, ce pauvre personnage qui meurt généralement au premier menu, un peu comme Krillin, hein, c'est vraiment les personnages qui n'ont vraiment pas de chance. Voilà l'histoire, c'est un jeune tombe dans un escalier, un jeune étudiant japonais tombe dans un escalier, se retrouve un peu en léger coma, et se réincarne en Yamcha et veut absolument ne pas mourir et fait tout pour que Yamcha devienne allez, un grand héros digne de Goku. Donc voilà, je vous en dis pas plus, venez récupérer ce manga, bien sûr, Pirates du Silence, venez tester ça, c'est mes grands coups de cœur du moment. On va aller voir tout de suite la suite pour les coups de cœur comics. C'est parti. Voilà, je suis avec Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Eh ben merci de nous accueillir ici. Oui. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure des coups de cœur comics, peut-être BD indépendantes. Et là, Amandine, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors, je vais vous présenter la série Stranger Things. Donc, c'est la nouvelle BD, c'est dans l'actu, vu que la saison 3 va bientôt sortir. Oui. On l'attend impatiemment. La série du moment, je pense, la série, ouais. Si vous êtes tous fans de pop culture des années 80, c'est la série à peu loupée. Et là, on l'a en comics. On l'a en comics. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous invite à aller la regarder, c'est super. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, ça se passe dans les années 1983 à Hawkins, dans une ville en fait de l'Indiana, et où il va se passer des choses étranges, mais vraiment très étranges. On va avoir une disparition, celle de Will, donc c'est un des protagonistes de la série. Et dans ce comics, en fait, on va suivre justement ce qui va se passer quand il va disparaître. Enfin, sa disparition, son point de vue en fait. Ce qui se passe quand il est tout seul. Voilà, ce qui se passe quand il est tout seul. C'est sorti ce mois-ci, il n'y a pas très longtemps. Ouais, donc pile pour la sortie d'un peu de la saison 3, qui est le premier épisode qui est sorti il y a quelques jours. Donc voilà, donc là, voilà, si vraiment il y a un comics en indé à sortir, lire, c'est vraiment celui-ci. Voilà, parce que c'est vraiment ce qu'on voit pas dans la série en fait. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, ça c'est intéressant. Tout ce qu'on a vu dans la série, qu'on a travaillé notre imaginaire, mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Will? Là, il y a une explication. Allez, on va sortir un peu des sentiers battus. Là, pour toi, tes coups de cœur, allez, ton coup de cœur manga, là. Alors, mon coup de cœur manga, alors, ça va être celui-là. Donc, c'est aussi une nouveauté. Ouais. En fait, c'est mon coup de cœur parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais, parce que c'est une demi-goule, en fait. On suit l'histoire d'une demi-goule. Ouais. Et pour moi, je me suis dit, mais ça va être un Toguru-like, en fait. D'accord, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Kemono Incident. D'accord. Ça se passe au Japon.
Et c'est où il va y avoir des... il y a des créatures, en fait, les créatures folkloriques du Japon, vous connaissez un peu. Ouais. Les renards à sept queues, les... Oui, toute la, vraiment, la panoplie des monstres, voilà. Mais... voilà, les trucs comme ça. Et ils existent, en fait. On va suivre une demi-goule, donc mi-humain, mi-goule, et ça s'appelle des cabanées. Et c'est une BD, alors c'est pour tout le monde, tout public, ou un public un peu averti, voilà. 11-12 ans, c'est bon. Ça, à partir de 11 ça ans, passe, voilà. Ça passe crème. Donc ça passe crème, ouais. Manga du moment. Manga du moment. Donc là, voilà, le manga du moment, donc tu m'as dit, c'est Kimono Incidents, d'accord. On vous a parlé juste un changement de fille. Et là, juste maintenant, on va parler de trois coups de cœur pour toi. Si tu avais le coup de cœur Marvel, ça serait quoi? Donc ça serait le Punisher Legacy. Ouais. Donc, le tome 2. Vraiment super. En fait, après les événements du tome 1, on va suivre en fait Frank Castle qui va avoir en sa possession la War Machine. Donc l'armure d'Iron Man. Énorme. Voilà. Et il va bien, enfin, il a bien l'intention de s'en servir. Ouais, surtout pour, Punisher, il aime bien les bonnes armes qui défouraillent. Allez, voilà, on va partir sur l'univers DC. Qu'est-ce que ça serait ton coup de cœur sur DC? Alors, pour DC... Je cherche. Le dernier Catwoman, en fait. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. En fait, on suit du coup le point de vue de Catwoman. Chez Urban, ça. Ouais, chez Urban. C'est de toute façon d'ici. Chez Urban. Donc Catwoman. Ouais, Catwoman. Et non, il est très bien. Donc on va suivre, en fait, quand Catwoman va un peu, enfin, se marier avec Batman. Sauf que va y avoir quelque chose qui va faire que non. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, en fait. Vous allez voir, en fait, dans la série pourquoi. Je vous invite à le lire. Et il est vraiment pas mal. Bien sûr, à retrouver ici au Pirate du Silence. Ouais. Et bien sûr, on va parler de la BD franco-belge. Ton coup de cœur franco-belge, qu'est-ce que ça serait en sortie franco-belge. Classique, la classique. Le Comte Zaroff. Ouais. Ouais, Zaroff. Zaroff, j'ai vraiment bien aimé. Donc, on va voir le Comte Zaroff qui va. Sur une île qui a fui la Russie, en fait, et on va le voir vraiment sous toute sa splendeur. D'accord. Donc ça s'appelle Zaroff. Zaroff. Ça, c'est ton coup de cœur franco-belge. Ouais, c'est vraiment... Donc voilà, bah là, c'était tous les coups de cœur d'Amandine. Donc j'espère que vous avez bien retenu. De toute façon, nous, on va marquer tout ça dans la description de la vidéo. Amandine, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Donc voilà, donc venez au Pirate du Silence, voilà, si vous êtes fan, vous voyez, de BD franco-belge. De comics, de mangas, de goodies, de figurines. C'est ici qu'il faut venir. Il n'y a pas d'autre endroit, c'est ici. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Bien sûr, ben, n'oubliez pas, on peut vous retrouver sur Facebook. Oui, les Pirates du Silence. Les Pirates du Silence, retrouvés sur Facebook. Nous, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, ben là, regardez là, abonnez-vous à la chaîne, hein, un petit commentaire aussi, ça fait toujours du baume au cœur. Et n'oubliez pas, on est toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et puis, je vous fais plein de bisous les geeks. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles balades. Et à la prochaine. Ciao, ciao.